Elle attaque, elle attaque le terrain. Il prend la corde, il est passé. Il vient de pousser un jour. Jean-Claude, laissez ses essuie-glaces. Pas de problème, tout se passe bien. Bien vu, Jean-Claude. Fais sens de ta part. Jean-Claude, trajet. Il le savait. Les gens bleus, non, non, non. Si je te mets un blouson bleu, on dirait un flic avec les mains derrière le dos. Là. Oui, mais là, non, non. Quoi? Miguel, voilà qui attaque Miguel, le mien. Mais laisse pas passer. Ouais, oui, le bon ouais. Ouais. Ça, c'est l'extérieur. J'ai dit tiens, il reste des puissants vies dans le fond là-bas. Moi, j'ai dit. Et Daniel Mignon, tu sais lui ? Ah, non, il marche pas là. Daniel Meignon, un demi-tour d'avance. Ouais, pas de c'est gentil. Il y a une dimanche. Il roule quoi. Voilà Daniel Meignon qui vient de passer. Notre ami Michel Roger qui s'en va aussi, donc c'était Michel Roger. Et va manger ta vie. Et donc je pense que nous allons assister à la victoire de Daniel Meignon. La victoire de Daniel Meignon, le numéro 10. Je te place, Mickaël, le numéro 8. Et la troisième, Mickaël Frolin. Voilà, c'en est fini pour cette journée magnifique sous le soleil de Saint-Malo de Pilly. Eh bien, ici Fabrice, à vous les studios, je vous remercie. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à Médréac. Hasta la vista, je remercie également les commissaires comme d'habitude. Merci les commissaires qui ont encore pris de la poussière aujourd'hui. Grâce à eux, n'empêche qu'on a les courses qui sont bien suivies. Et à dimanche. Salut. Bien. Et il fallait bien s'en réveiller.